sujet urbain est un sujet qu'on trouve dans beaucoup de grandes villes. C'est-à-dire que c'est de remettre la ville au bord de son cœur. C'est très important. Aujourd'hui, mais la construction du parc Saint-Antoine avait créé une véritable barrière. Donc notre sujet, c'est de dire on va amener Saint-Dizier, la place Saint-Dizier, la place d'Allemont, et par strat, on va arriver jusqu'à la Saône. Et c'est très intéressant parce qu'on va redécouvrir des nouvelles perspectives, on va redécouvrir cette vision vers les collines de Fourvière, et ça fait partie vraiment d'une liaison visuelle dont on avait besoin. Alors, si vous voulez, ces différentes strates, elles viennent donc de la ville ancienne, par palier, et puis elles arrivent à travers le quai Saint-Antoine. Après, on a le belvédère, et puis on a le jardin fluvial. Donc, c'est toute une série de séquences très douces. Finalement, on ne va pas arriver brutalement sur la Saône, mais par paliers successifs. Il y a même d'ailleurs, je parle de palier, il y a même un palier à 1,60 m qui sera une sorte de un deuxième belvédère sur le jardin fluvial. Et là, on verra le travail qui a été fait par François Neveu au niveau du jardin fluvial. Il est très intéressant, très sophistiqué, puisqu'on a envisagé comment serait ce site en cas d'alluvion, en cas de débordement, en cas de crue. Et on voudrait que ça soit toujours aussi beau, même quand il y a des crues. Je peux vous parler de crues, puisque en ce moment à Paris, nous vivons ça. Et c'est vraiment un paysage de désespoir. Alors que là, je crois qu'on va maîtriser le futur grâce à ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu notre projet.